D'autres pays, les gens portent ce qu'ils font chez eux. Vous avez remarqué. Alors, donc, si ici, par exemple, tous les jours, on porte des chemises aujourd'hui de Patéou, demain, on porte les choses de Yves Saint Laurent en France, c'est pareil. Donc, ici, si aujourd'hui, on porte Gilles Touré, on devrait porter Olivia Pérez, Isande et puis les autres marques. Il y a Léry, par exemple. Donc, c'est ce qu'on demande. Plus vous portez ce que vous avez ici et que c'est bien fait, ben, tout le monde voudra. Vous voyez, on ne peut pas comprendre comment nous, on fait des petites choses qui sont super aimées à l'extérieur et ce n'est pas aimé chez nous. Je vous donne un exemple. J'avais fait une jupe où j'avais marqué Olivia Pérez. La dame me dit, oui, mais moi, ce qui me gêne, c'est le fait que vous ayez mis le nom là. Et je lui ai demandé si c'était Dior, vous serez plus heureuse. Donc, vous voyez un peu comment la mentalité des gens doit changer. C'est joli, elle adore. Mais Olivia Pérez, ce n'est pas une marque assez bien pour elle, pour qu'elle la mette. Donc, quand je lui ai dit ça, elle a dit, oui, finalement, je la prends. Et elle était bien fière de la mettre. Donc, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, que vous, le monsieur qui est là, puisse porter vraiment des marques ivoiriennes et qu'il soit fier de le faire. C'est vrai, il y a tout un accompagnement. Il faut jouer sur les finitions, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais quand on fait des efforts, on doit quand même voir que la Côte d'Ivoire aime ce qu'on est. Depuis le président, la première dame, tout le monde, ils doivent porter du Made in Côte d'Ivoire. Un journaliste, un ministre, le président, la première dame, s'ils commencent à porter des marques, tout le monde va courir. Vous le voyez bien. Voilà, vous avez vu Madame Macron, elle porte français. Tout le monde aime ces marques-là. Madame Ouattara, Monsieur Ouattara, s'il commence à porter vraiment ivoirien, tout le monde va porter ça. Il n'y a rien à dire, c'est quelque chose qui est inné, c'est fait comme ça.